C'est enfin l'heure d'extraire votre précieux miel. Ça, c'est la douce récompense pour tout l'amour et l'attention que vous avez donné à vos abeilles pendant toute la saison. Au moment de l'extraction, on vous recommande d'inviter vos proches et vos amis à se joindre à vous. Vous allez voir, premièrement, les gens adorent voir comment le miel est extrait. Et deuxièmement, c'est beaucoup plus facile et plaisant à faire en équipe. C'est pour ça que j'ai invité Alex à se joindre à moi. Il y a quatre étapes qui rentrent dans l'extraction du miel. La première, on veut désoperculer nos cadres, les faire tourner dans l'extracteur, puis faire passer le miel à travers un filtre et on est prêt à empoter. Par contre, assurez-vous que vos cadres sont au moins aux deux tiers operculés avant de les extraire. Alors, sans plus tarder, vous prenez un cadre plein de miel et vous venez le placer au-dessus de votre cuve à désoperculer, comme ça. Avec votre fourchette adaptée, vous allez venir retirer la fine couche de cire que les abeilles ont mis par-dessus les alvéoles remplies de miel. Allez-y doucement et surtout, essayez de pas en oublier. Laurence est une experte. Elle enlève juste la couche du dessus des alvéoles. Il faut éviter d'aller trop bas, sinon on peut briser les alvéoles et on ne pourra pas réutiliser les cadres les saisons suivantes. Au début, allez-y lentement et tout devrait bien aller. Cette manœuvre-là va permettre au miel de couler librement une fois qu'on le place dans l'extracteur. Et voilà. Alors, une fois que c'est fait, on prend notre cadre et on vient le déposer dans notre extracteur. Alors, une fois que vous avez désoperculé vos cadres dans votre cuve, vous venez placer vos cadres dans votre extracteur. Vous allez voir, l'extracteur bouge beaucoup sous la force centrifuge, alors c'est là où c'est pratique d'avoir de l'aide pour le tenir pendant que je vais tourner la manivelle. Alex? Je t'aide. Vous allez tourner les cadres pendant environ 2 minutes de chaque côté. OK! Alors, vous allez voir, c'est quand même un peu exigeant physiquement. Si jamais vous avez beaucoup de miel à extraire et que vous pensez avoir besoin d'un extracteur électrique, faites-nous signe, vous pouvez louer notre miellerie. Une fois que le miel est extrait des cadres et que c'est accumulé au bas de l'extracteur, on vient le surélever. Ensuite, venez placer adéquatement une chaudière et le filtre comme ceci sous l'extracteur. Au besoin, utilisez une spatule en plastique pour aller décoller le miel sur le côté de l'extracteur pour le faire tomber. Et voici le résultat final, un délicieux pot de miel prêt à être savouré, mais surtout partagé avec vos proches. Bonne dégustation!